Ce mercredi 11 octobre avait lieu l'avant-première du film Les Trolls 3 à Paris. Pour l'occasion, les stars qui prêtent leur voix aux personnages se sont rendus à l'événement en famille. Les stars de la chanson française au rendez-vous. Le film Les Trolls 3 sort dans les salles de cinéma en France le mercredi 18 octobre prochain. À quelques jours de sa sortie officielle, une avant-première avait lieu au cinéma Gaumont-Marignan à Paris. Emmat Pokora, Vita et Amel Bent étaient évidemment de la partie, pour le plus grand bonheur des fans. Une avant-première très musicale, les trois chanteurs français se sont succédés sur le tapis rouge. Il faut dire qu'ils prêtent leur voix à trois des personnages principaux du troisième volet de la saga musicale. Emmat Pokora est la version française de Branch, interprétée par Justin Timberlake en version originale. Vita, elle, prête sa voix à la sympathique Poppy, Anna Kendrick en anglais. Enfin, Amel Bent est la voix française de Viva, qui est interprétée par la chanteuse Camila Cabello. Les trois Français se sont retrouvés avec joie à cette avant-première. Pokora était au bras de sa compagne, Christina Milian, et leur fils était aussi présent en salle. Amel Bent et Vita, qui vient de sortir son dernier album, ont aussi pris la pose tout sourire. Une quatrième star du film était aussi présente, il s'agit de Branch, le troll qui a fait une photo avec Sylvie Tellier, elle aussi venue regarder le film en famille. Cette dernière semble avoir profité d'un bon moment avec ses enfants. Les Trolls 3, une nouvelle aventure pour Poppy et Branch, le troisième volet de la saga Les Trolls est très attendu par les fans. Après deux films à se tourner autour, Poppy et Branch officialisent leur relation et vivent enfin leur amour au grand jour. Et Poppy va faire une incroyable découverte sur le passé de son chéri, à l'époque, avec ses quatre frères, il formait le boys band le plus en vogue du moment, les Brozones. Mais un jour, Floyd, l'aîné de la fratrie, a été enlevé par Velvet Evenir qui en voulait à son talent musical. Les deux amoureux vont alors se lancer dans une aventure impressionnante pour réunir les frères.